Engine running. Liftoff. We have a liftoff. Et là, voilà, Clarisse Berryby, voilà, Benjamin Hardy, Nicolas Revoux, prenez place, moi je vais m'asseoir juste à côté de vous. Bienvenue, on a quelques minutes pour parler un peu de vos activités, mais avant de commencer, on va lancer un petit film. Alors peut-être que pendant le film, d'ailleurs, on va s'écarter de là, sinon ils vont rien voir les gens. 3, 2, 1, on lance un petit film et on Souvent, discute juste après. Salarié, on se sent enfermé et quand on est freelance, on se sent en danger, en permanence. On a créé ensemble avec Shine un nouveau contrat de travail innovant qui permet aux salariés un jour par mois de pouvoir aller travailler pour d'autres personnes pour finalement s'épanouir en dehors du travail et être meilleur aussi au sein de Shine. L'idée de Shine vient d'un problème qu'avait mon associé qui était freelance. Son plus gros problème dans la vie, c'était le poids des démarches administratives. Il a passé 15 jours à trouver son statut, trouver les mentions légales à mettre sur une facture. Et globalement, il y avait toujours une angoisse de ne pas savoir ce qu'il fallait faire ou de ne pas faire un truc qu'il faudrait faire, etc. C'est comme ça qu'est née l'idée de Shine, qui est à la fois un compte bancaire et un assistant administratif pour les freelances. Avec nos salariés et les freelances avec lesquels on travaille, on essaye aussi d'innover, d'avoir des pratiques adaptées et de faire en sorte qu'on puisse être très productif, mais très heureux au travail quand même. Shine est venu nous voir et nous a demandé de les accompagner sur la manière de pouvoir attribuer un jour par mois à l'ensemble de leurs salariés pour aller travailler ailleurs en freelance, de manière bénévole. Au départ, c'était quelque chose qu'on voulait faire surtout pour mettre dans les bottes d'un freelance et de voir quelles sont ses vraies problématiques et donc du coup de lui rendre service. Et à la fin, c'est quelque chose qu'on a fait surtout parce qu'on pense que ça a vraiment de la valeur pour nos employés. On trouvait que c'était une super opportunité qu'ils allaient pouvoir essayer plein de choses. Comment on le contractualise pour que le salarié ne soit pas perdant. Une des pistes de réflexion qu'on a eu notamment, c'était de savoir si on diminuait pas la durée du temps de travail mensuel des salariés pour aller travailler ailleurs, mais ça serait revenu potentiellement à les léser parce qu'il y a des droits particuliers pour les temps partiels. Finalement, on s'est concentré sur l'attribution d'un jour de congé supplémentaire qui nous a paru l'outil juridique adapté à ce que Shine voulait mettre en place. On a vraiment refondu tous les contrats de travail de Shine. On avait une obligation d'exclusivité qui finalement interdisait les salariés de faire quoi que ce soit en dehors de Shine. En supprimant la clause d'exclusivité, on a quand même rajouté une obligation de loyauté puisque la volonté n'était pas non plus que les salariés puissent aller concurrencer directement Shine pendant ce jour de congé supplémentaire. On a open sourcé nos contrats pour que toutes les sociétés qui, par défaut, voudraient adopter ce mode de fonctionnement puissent le faire facilement. C'est vraiment un mouvement qu'on voit aujourd'hui au sein de nos clients start-upers de laisser les salariés gérer leur travail et leur mode de fonctionnement comme ils le souhaitent. C'est génial pour les individus parce qu'ils se forment, ils gagnent en maturité économique, ils se rassurent sur leurs compétences. C'est génial pour Shine. On a des gens qui sont mieux formés, plus à la page et qui nous font bénéficier de bonnes pratiques qu'ils voient ailleurs. Et puis on pense aussi que c'est bon pour toutes les entreprises et pour le marché du travail. On a le sentiment que donner cette liberté aux gens, ça mille fois plus d'impact sur la formation professionnelle que toutes les politiques de formation professionnelle qui coûtent une fortune et qui aujourd'hui sont très peu exploitées. C'est bon, on peut se rasseoir. Alors, on va faire un peu les présentations rapidement. Clarisse, donc toi, tu es associée, tu as fondé, cofondé. Je crois voir qu'il y a aussi des amis associés à toi dans la salle. Un cabinet d'avocats d'un genre nouveau qui s'appelle Bold, et tu es venu avec deux de tes clients, Nicolas et Benjamin, de Shine et de Biloba. Donc c'est ça un petit peu ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui, c'est de voir comment, en fait, un cabinet d'avocats, d'ailleurs qui a un nom, qui n'est pas le nom issu d'un des fondateurs, et c'est extrêmement rare, se comporte lui-même comme une start-up ou en tout cas qui a intégré
l'esprit de la start-up et qui n'a, a priori, dans ses clients que des gens issus du monde de la start-up ou en tout cas de l'innovation au sens large. Mais avant ça, j'aimerais que tu demandes ton t-shirt. Salut les moches. Alors, c'est vraiment pas sympa. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu es venue insulter le public comme ça, Clarisse ? C'est mes enfants les moches. C'est, comme c'est ça tes enfants les moches. Ok, donc vous êtes rassurés ? Je leur parle comme ça tous les jours, donc ils s'habituent. Ok, bah c'est bien, ça fait donc un petit peu de business model pour des futures névroses à traiter pour des futurs confrères. T'inquiète pas. Plus sérieusement, Bold, c'est un jeune cabinet d'avocats. Vous êtes 5 associés ? 4, bientôt 5. Bon, moi, je suis allé visiter leurs locaux. Objectivement, c'est totalement canon. Il n'y a pas du tout de parquet en bois et de lambris. On a vraiment le sentiment de se trouver là dans quelque chose de... on est un peu au cœur du la Startup Nation, quoi. Hein. Déjà, stylistiquement, il y a quelque chose. Et puis, dans la pensée, dans, je dirais, la ligne éditoriale, puisque je suis journaliste, j'aime bien parler comme ça, il y a aussi quelque chose de très singulier. Peux-tu nous en dire plus, Clarisse ? Absolument. En fait, Bold a été pensé véritablement en lien avec nos clients. Ce qui nous intéressait, c'était d'être proche d'eux. Avec Serge, quand on a cofondé Bold, avec nos deux autres associés, et donc la troisième qui arrive aujourd'hui, ce qui drivait vraiment notre réflexion, c'était d'être proche de nos clients, de les accompagner véritablement. On était avocats depuis 20 ans tous les deux quand on a créé Bold, et ce qui nous motivait dans notre exercice quotidien, c'était de pouvoir être un vrai partenaire proche de ses clients et les aider à améliorer leur stratégie entrepreneuriale en intégrant finalement la stratégie juridique au cœur de leur business, au cœur de leur réflexion. Et la réalité, c'est que on avait bien conscience que déjà à la base, notre modèle économique, la façon dont on fonctionnait en tant qu'avocat, en facturant au taux horaire et finalement en envoyant des factures à chaque fois qu'on travaillait, était un handicap sévère à ce projet. Puisque de fait, on était un peu en conflit d'intérêts avec eux à la base, puisque plus on facturait, plus on s'enrichissait, entre guillemets, et plus eux, ça leur coûtait. Donc ils ne pouvaient pas comprendre qu'on voulait... Donc tu as décidé de devenir beaucoup moins riche. C'est un peu la démarche, mais pas dans le même sens en tout cas. Mais la réflexion, ça a été de dire, on ne peut pas se déclarer partenaire et dans notre pratique, dans notre quotidien, ne pas l'être. Donc notre modèle économique était déjà, je dirais... un handicap sérieux, et ensuite ça les empêchait de nous appeler, ça les empêchait d'aller vers nous. Donc déjà on a réfléchi à ça et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement qu'ils ressentent qu'on est là près d'eux et qu'on va les aider. C'est ça qui nous drivait, c'est ça qui nous intéressait. C'est pas qu'on n'aimait pas le droit, c'est pas qu'on n'était pas des juristes, parce qu'on reste des juristes, mais ce qui nous intéressait, c'est d'être participer à la croissance d'un entrepreneuriat. Et Serge, qui a connu cet entrepreneuriat naissant, puisqu'il avait fait partie du camping, etc., il était particulièrement attaché à cet écosystème des startups et à pouvoir les accompagner. Et on sentait bien qu'il fallait qu'on s'aligne, en fait. Okay. C'est l'alignement qui a été la base de notre réflexion par rapport à Bold. Et à partir du D'ailleurs, vous êtes totalement aligné, là, ça se voit bien. Et à partir du moment où on a décidé de s'aligner, on a décidé de faire des choix radicaux. Et donc, ça a été sur tous les domaines. Déjà, effectivement. Juste un choix radical avant que je donne la parole à nos amis. Quand tu dis des choix radicaux, c'est abandonner la vieille manière d'exercer le métier d'avocat, c'est ça ? C'est ça. Et puis, comme tu l'as dit, déjà les locaux, le lieu, l'endroit. On a quitté le 8e, on est allé dans le 10e. On a pris des locaux qui ressemblaient à nos clients. On a créé un environnement de façon générale, à tous les niveaux, qui soit véritablement propice à ce partenariat. Ok. Alors, bon, Benjamin, on va commencer par toi parce qu'on a beaucoup vu Nicolas dans le film, un petit film dont il est la star. D'ailleurs, on voit qu'il a été tourné ce matin parce que vous avez le même t-shirt. Enfin, tu as le même t-shirt que dans le film. Je n'ai qu'un t-shirt. Oui, oh, j'imagine qu'il y en a une dizaine dans ton placard. Enfin, j'en ai plusieurs du même t-shirt. Voilà. Benjamin, donc, toi, tu as fondé une start-up qui s'appelle Biloba. Avant que tu nous dises ce que fait Biloba et quelle est sa destination et à quel besoin tu réponds. Ta manière d'interagir avec ton cabinet d'avocat, c'est aussi quelque chose de très différent de d'habitude. Normalement, un avocat,
C'est un peu comme un banquier, c'est quelqu'un qu'on appelle un peu en dernier recours. Là, si j'en crois Clarisse, il y a plus de dialogue et plus d'alignement. Bah, c'est comme un banquier, c'est comme un pompier aussi. Le relationnel classique avec un cabinet d'avocats comme avec d'autres professions qui tournent autour d'un entrepreneur ou d'une société, c'est... On n'a pas envie de l'appeler, c'est des sujets qu'on estime chiants et pas majeurs sur notre quotidien. C'est au dernier moment, on n'a pas envie d'expliquer le contexte, on veut juste une réponse à une question, on veut juste un contrat, on veut juste des explications sur des statuts, changer des choses. Et en fait, ça ne marche pas parce que... C'est contacter le cabinet en n'ayant pas envie de le faire. Donc et en sachant moment, qu'à la fin, il va y avoir une grosse facture qui et on sait pas, correspond à un taux horaire que tu ignores de fait et tu ne sais pas comment les mecs travaillent. Et les deux sont perdants en fait. On se dit, si un cabinet d'avocats passe beaucoup de temps, enfin, si c'est très cher, et on se dit que ça a passé beaucoup de temps, donc on va être très très exigeant sur la finalité. Mais à l'inverse, en fait, si le cabinet d'avocat a des techniques pour aller plus vite, à reprocesser des choses, a mis beaucoup de gens pour aller très vite, on se dit, bah, ils sont allés très vite, ça veut dire que je ne suis pas très important, c'est-à-dire qu'ils ont bâclé le travail. Donc si c'est pas cher, je ne suis pas content. Et si c'est cher, je ne suis pas content. Donc en fait, ça ne marche pas du tout. Et c'est tellement... Il faut que ça devienne un accompagnement au jour le jour. Ne pas avoir à expliquer pourquoi une jeune boîte surtout, de 6 mois avant, 6 mois après, ça a complètement changé. Donc réexpliquer à chaque fois pourquoi on en est arrivé là est complètement contre-productif par rapport à un accompagnement au jour le jour où c'est un partenaire de tous les jours et il n'y a pas besoin d'expliquer au moment où il y a un besoin. On explique le besoin et il n'y a pas à réexpliquer le contexte, etc. Nicolas, tu souscris ce que vient de dire ton voisin de gauche? Ouais, je souscris complètement. Pardon, je fais une petite parenthèse. On peut poser des questions voilà. À nos invités sur slido.com. Évidemment, vous connaissez maintenant la procédure. J'utilise le mot procédure parce que c'est un mot juridique, c'est pour te plaire. Slido.com, hashtag la postale. Et je suis supposé recevoir, grâce à la merveilleuse technologie qui est entre mes mains, vos questions. Voilà, merci. Excuse-moi. Nicolas, je te laisse poursuivre. Ouais, non, mais c'était. Enfin, je suis complètement d'accord, effectivement. Et ça s'applique particulièrement dans notre cas où on est dans un domaine très réglementé, parce qu'on est dans le domaine bancaire. On propose un service de néobanque à tous les indépendants. Et forcément, on n'est pas aussi libre que si on vendait des hot dogs ou des trucs pas du tout surveillés. Et donc, tout ce qu'on fait, même quand ce n'est pas core business et bancaire, on a plus besoin que la plupart des acteurs d'avoir un regard juridique dessus. Et peut-être si je peux compléter ce que tu disais, c'est que. Ça, c'est dans la vie courante des affaires. Et puis, il y a aussi des moments d'intensité très forte dans la vie des boîtes, notamment souvent quand il y a des opérations sur le capital, que ce soit des levées de fonds, des reventes, des discussions entre associés, des négociations de pactes, etc. Et dans ce cas-là, c'est là qu'on a encore plus besoin d'avoir noué une relation de confiance avec un avocat, parce que c'est souvent des situations très tendues, avec beaucoup de stress. Et en tant qu'entrepreneur, on a généralement l'impression de risquer sa vie à ces moments-là. Avec le recul, souvent on se rend compte que c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas mort d'homme la plupart du temps. Normalement, ça dépend avec qui vous bossez. Et donc là, on a besoin d'avoir une relation très forte avec son avocat. Et évidemment, c'est plus simple si on l'a construit dans la durée avant. Clarisse Oui, le point clé, c'est, et d'ailleurs, je pense qu'on n'aurait jamais pu créer Bold sans cet écosystème de start-up, c'est que le nouvel entrepreneuriat, cet entrepreneuriat-là, a un rapport au droit qui est très intéressant et qui est très différent de ce qu'on a pu vivre. Dans le passé, dans notre ancienne histoire d'avocat. C'est-à-dire que, d'abord, le droit, c'est pas un handicap au business, a priori. On a des entrepreneurs qui n'hésitent pas à bootstrapper le droit au quotidien, parce qu'ils le font pour tout, et à considérer que la contrainte juridique doit être contournée d'une façon ou d'une autre. Et c'est cet entrepreneuriat-là qui a créé Bold, d'une certaine façon, parce qu'il nous a poussés à innover aussi dans notre réflexion et pour essayer de les accompagner, que ce soit d'ailleurs sur le plan financier, puisqu'on a eu des vraies réflexions pour pouvoir être proche d'eux et ne pas assassiner ce business naissant, et évidemment sur le plan de notre réflexion juridique et de notre accompagnement. C'est cet entrepreneuriat qui est à l'origine en fait de toute cette histoire entrepreneuriale pour nous.
où, évidemment, nous, la deuxième chose qu'on a faite, je dirais assez radicale, c'est qu'on a pris cette décision un jour, avant de créer Bold, quelques mois avant de créer Bold, de reprendre par-devers nous le risque entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être crédible et rendre crédibles nos clients, parce que c'est ça notre job, hein, c'est de les rendre crédibles vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de tous leurs partenaires. Excuse-moi. On ne pouvait pas les rendre crédibles si nous-mêmes, on n'était pas entrepreneurs. Or, par nature, l'avocat, il ne prend pas de risque entrepreneurial. Il travaille une heure, il facture une heure. Il n'y a pas de risque entrepreneurial, c'est le client qui prend un risque en venant voir l'avocat. Et c'est cette décision qu'on a prise de dire, ben, nous aussi, on est des entrepreneurs, ce qui veut dire qu'on va facturer différemment et s'organiser pour quand même faire des gains de productivité en interne. Je pense que c'est ça, okay. C'est eux qui ont créé Bold. Alors, je reçois vos questions. Thibaut, je ne sais pas qui tu es et où tu es, mais je vais répondre à ta question, ou plutôt je vais la poser à Clarisse. Mais pour qu'on comprenne bien, voilà, ça apparaît comme ça, je ne peux pas faire de suspense plus longtemps. J'aimerais bien qu'on vienne quand même tous les deux sur vos activités, parce que je trouve intéressant qu'en ayant des activités qui sont quand même très distinctes l'une de l'autre, vous avez un même besoin. On peut peut-être commencer par Biloba. Alors, je vais révéler des grandes choses, mais tout à l'heure, je te voyais discuter avec notre ami Flying Frenchy. Si on ne te connaît pas, on peut penser que toi-même, tu es un adepte du sport extrême, mais Biloba, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. Je ne fais pas de wingsuit comme donc la personne avec qui j'ai parlé tout à l'heure dans les loges. Et surtout comme Carole. Et c'est vachement plus cool d'ailleurs comme métier. Donc moi je suis cofondateur d'une application qui s'appelle Biloba qui aide les parents à suivre les vaccins de leurs enfants. Donc c'est du suivi médical. C'est du suivi médical. Les vaccins, c'est simple, c'est basique, ça marche, c'est important. Et on est un peu à la croisée des chemins entre... On est en France, il y a beaucoup de choses très bien dans la santé, il y a des super professionnels de santé, il y a un système où c'est un peu compliqué en ce moment, mais il y a des très mauvais outils, et en tout cas pour la vaccination et le suivi médical des enfants, on en est toujours au carnet de santé papier, en 2019, donc c'est un peu compliqué. La santé, je me permets, mais la santé, la tech dans la santé est un des fils rouges de ce lab postal. On sent bien que là, notre système... est, disons, assez rigide pour avoir envie de créer un système de flexibilité autour. Ouais, et puis parfois, il n'y a pas besoin de faire des trucs technologiques hyper compliqués. On ne fait pas d'IA, on n'a pas de mots-clés comme ça, d'IA, machine learning, deep tech. Nous, un petit peu de blockchain. Pas de blockchain. Pas de blockchain. Il y en a qui en rajoutent un peu à toutes les sauces. Nous, on fait un outil hyper simple pour que les parents suivent de manière beaucoup plus simple les vaccins de leurs enfants et surtout qu'on puisse être un peu plus transparent et réapprendre à reprendre contrôle sur des sujets comme ça. On veut mieux manger, on veut mieux soigner, on veut mieux comprendre tout ça. Et voilà, Biloba, c'est une application hyper simple à utiliser qui prend le moins de temps possible dans la vie des gens et qui retire une charge mentale et un truc un peu chiant, c'est est-ce que mon enfant il est à jour de ses vaccins et quel est le prochain vaccin à faire. D'accord. Donc c'est vraiment une aide quotidienne en fait. Voilà. Quels sont les problèmes juridiques auxquels tu es confronté qui nécessitent de faire appel à un cabinet comme Bold ? Bah, y a tous les problèmes juridiques classiques de création de boîte. Donc bah faut créer une boîte, faut faire les statuts, faut faire le pacte, faut commencer à avoir des contrats commerciaux. Pour nous, il y a beaucoup de choses sur les conditions générales, les données de santé. On essaie de faire des choses. On est beaucoup plus petit que Shine, donc on n'a pas encore fait des choses aussi intéressantes que ce que vous avez vu dans la vidéo, mais essayer d'amener des CGU plus agréables à lire, plus simples, moins tordus, plus faciles d'accès à nos utilisateurs finaux, qu'est-ce qu'on va faire avec la donnée. Les petites lignes que personne ne comprend et personne ne lit et qui ont des grandes implications, c'est un peu dépassé, on essaye de faire des choses un peu plus innovantes là-dessus, un peu à l'image de Shine et des contrats de travail. Ok. Et Shine, de ton côté, donc, on a un peu compris à travers la vidéo, mais je crois savoir que le panel est assez large.
tu t'intéresses aux entrepreneurs, aux indépendants, et ouais. Quels sont les services que tu leur proposes ? Shine, c'est un compte pro à destination de tous les indépendants, et c'est à la fois un compte bancaire traditionnel, comme on l'imagine, et un assistant administratif. On s'est rendu compte que l'un des plus gros problèmes dans la vie pour les indépendants, c'est le poids des démarches administratives. Donc pour répondre à ça, on a construit autour du compte bancaire, qui est une néobanque avec une Mastercard dédiée à son compte pro, etc. Autour de ça, on a construit plein d'aides à la gestion administrative, un outil de facturation qui permet de se faire payer en ligne, des rappels administratifs, des services de calcul de taxes, un chat qui répond 7 jours sur 7 à vos questions administratives, un truc qui facilite les échanges avec l'expert comptable, etc. etc. Donc très chiant aussi. Et pas de blockchain et d'IA non plus. Je commence à me demander comment on a réussi à tous les deux être invités sur ce panel. Mais voilà, l'idée c'est de, un peu de la même façon que vous gérez la charge mentale sur la partie santé, nous on essaie de soulager la charge mentale sur la partie administrative pour tous les freelances et entrepreneurs. D'accord, alors ce qui est amusant c'est que tu gères leur charge mentale qui eux-mêmes gèrent la charge mentale de leurs clients. Clarisse, qui gère ta charge mentale ? non, plus sérieusement, bon, Thibaut demandait, j'ai compris le côté cool et les locaux et du jean pour ressembler aux clients. Ça, c'est du marketing. Je le laisse juge de ses propres interprétations. D'un point de vue pro, c'est quoi la différence ? Autrement dit, quelle est la différence entre un cabinet d'avocat comme Bold et un cabinet d'avocat ? Je vais répondre moi du coup, à Thibaut. Thibaut, je t'embrasse. Évidemment qu'on a choisi Bold pour les locaux, avant tout, c'est le principal critère quand on choisit son avocat. Mais du coup, l'exemple de la vidéo est assez parlant pour répondre à ça, alors je vais me permettre de sauter dans la réponse. Mais un cabinet d'avocat traditionnel, si on était allé le voir en lui disant « on veut revoir nos contrats de travail pour faire ça », il nous aurait fait une étude de faisabilité. Ouais. Il aurait dit « voilà, ça coûte X, et je vais, pendant ce temps-là, je vais étudier la littérature et vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire ». Et potentiellement, je vais donner mon avis et voilà. Ensuite, si on veut le mettre en place, je vais vous faire un deuxième devis, ce sera une deuxième brique et on va le mettre en place. Ce qui s'est passé avec Bold, c'est qu'on leur a dit « on veut faire ça ». Ils nous ont dit « mais pourquoi ?» Donc on leur a expliqué la philosophie qu'il y avait derrière, on l'a construit ensemble. Et ensuite, on leur a dit « by the way, tout ça c'est génial, mais ce qu'on voudrait, c'est pouvoir mettre ces contrats libres en téléchargement libre sur notre site. » Parce qu'on pense que c'est une très bonne idée pour nous, mais en fait, on pense que c'est une très bonne idée pour toutes les boîtes et que si absolument tout le monde faisait ça en France, le marché du travail serait à la fois plus flexible et plus sympa et formerait mieux les gens. Donc on pense que c'est d'une certaine façon d'intérêt public et le temps qu'on passe à réfléchir à ça, on pense qu'il n'a pas de raison d'être réservé à Shine et toutes les boîtes doivent en profiter. Donc est-ce qu'on peut mettre ce modèle de contrat sur lequel vous allez passer du temps en libre service sur le site ? Et ils nous ont dit oui, juste mentionnez-nous dans le blog. Mais oui, allons-y, innovons, parce que de toute façon, ça fait avancer les choses et ça ne va pas changer grand-chose à ce que nous, on gagne là-dessus, parce qu'on vend de toute façon un forfait. Donc, il y a le jean et il y a le baby-foot, ça c'est clair. Il y a toujours un baby-foot, mais les locaux sont très chouettes. Mais voilà le genre de changement que ça fait quand nous, on travaille avec un cabinet comme Bold. Alors, tu as prononcé le mot de forfait. C'est peut-être une des premières grandes distinctions pour un peu tirer le fil de ce que tu disais en introduction. C'est en gros, c'est Netflix, quoi. Hein ? C'est Spotify, Bold. Voilà, une des premières réflexions, ça a été notre modèle économique, évidemment, ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire ce sentiment d'être désaligné avec le client nous perturbait beaucoup, même s'il nous faisait gagner de l'argent. Il faut bien savoir que quand on est avocat, moi je suis avocat fiscaliste, donc j'ai la chance d'intervenir sur des problématiques où en général je fais gagner pas mal d'argent à mes clients, je gère des problèmes de riches, j'avais pas de soucis pour trouver des clients et trouver des problématiques à régler pour eux. Mais ces problématiques, elles étaient toujours en demande du client, c'est-à-dire le client venait me voir avec un sujet et moi je délivrais une réponse. Et ce n'est pas difficile de fonctionner comme ça parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc on aurait pu rester dans ce schéma très longtemps et franchement arriver à la retraite et gagner très correctement sa vie. Mais ce qui nous intéressait, ce n'était pas ça. C'était à partir du moment où on est rentré dans cet écosystème start-up et qu'on finalement on en est un peu aussi tombé amoureux d'une certaine façon, on s'est dit on doit aider cet entrepreneuriat à être meilleur et aussi on doit, nous, changer profondément la façon dont ce métier, qui est hyper important dans la société, on vit dans un monde de droit, on évolue au quotidien dans un monde de droit, on ne peut rien faire aujourd'hui sans être finalement un peu, je dirais, acculturé au droit, et l'écosystème start-up est hyper acculturé au droit, ça c'est un point extrêmement important pour nous, c'est-à-dire que ce sont des clients qui s'intéressent, qui veulent comprendre, et qui sortent de leurs opérations sont parfois
très, 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 très bons, voire meilleurs que nous sur certains sujets, parce qu'ils s'en imprègnent véritablement. Donc, pour pouvoir fonctionner comme ça, il fallait qu'on aille un peu plus loin et qu'on apprenne à les connaître et qu'on cherche à régler leurs problématiques de façon plus proactive. Donc, pour pouvoir le faire, on s'est dit, on va commencer par changer le modèle économique et on a créé l'abonnement illimité. C'était un risque majeur. Mais ce n'était pas la première fois qu'on prenait un risque, puisque déjà en 2015, on avait mis tous nos actes juridiques gratuitement en ligne. Et à l'époque, on se demandait si on n'était pas en train de couper la branche sur laquelle on était assis en tant qu'avocat, puisqu'on gagnait quand même très bien notre vie en vendant des actes. Donc, en les mettant gratuitement en ligne, on ne savait pas trop ce qui allait nous arriver. Et ça a profondément changé l'écosystème et le rapport à l'avocat est bien entendu pour nous. Mais on s'est dit, cet abonnement illimité, c'est la solution parce que c'est ce qui va faire que le client va nous appeler, va pas se poser la question de savoir si le coup de fil qu'il va nous passer va lui coûter ou pas. Il va nous appeler, il va raisonner avec nous. Donc il va pas hésiter à le faire. Il va pas hésiter. Et tout l'enjeu pour nous, c'était de former nos équipes à répondre à ces demandes. Et on est en plein dedans. Hein. Je veux dire, c'est un chemin quotidien. On est loin d'être arrivé. Et de nous permettre à nous de continuer à gagner de l'argent. Parce qu'on est une entreprise et que c'est la vocation d'une entreprise de faire des bénéfices. En tant que fiscaliste, je suis bien placée pour le savoir. Mmh. Donc, il fallait qu'on continue à faire des gains de productivité. Donc, on améliore nos méthodes internes, qu'on améliore nos process, qu'on leur amène un meilleur service, plus proactif. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé. Comme on est très positionné sur les startups et que c'est notre clientèle. On a réfléchi justement à leur parcours, à ce qu'elles faisaient à chaque moment important de leur vie, aux besoins juridiques dont elles avaient besoin à chaque moment important de leur vie. On a essayé de voir comment on pouvait accélérer nos méthodes, parce que c'est aussi ça, une start-up. Il faut savoir que quand on est avocat, et en particulier en fiscalité, c'est très facile de faire une note de 40 pages sur un sujet technique. On est sur des sujets techniques, c'est compliqué, il faut réfléchir, il y a la jurisprudence, il y a la doctrine administrative, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, nos clients, d'abord, ne lisent plus des notes de 40 pages. Ensuite, au final, ils s'en fichent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est arbitrer des décisions au quotidien. On va vite, ça va vite, le monde va plus vite qu'avant. Quand moi, avant, j'avais 6-7 mois pour aider un client à prendre une décision, aujourd'hui, on a 48 heures. Donc, on doit fonctionner autrement. Et je pense que c'est cette démarche qui nous a motivés. Alors, il y a une petite question sur le nom de Bold. Excuse-moi, Benjamin, je vais te donner la parole. C'est quoi la référence? Est-ce que c'est la référence à l'audace de lâcher une situation confortable pour tenter l'expérience start-up? Bold, c'est quoi? On écrit en bold, on graisse une typographie. En tout cas, dans mon métier, c'est comme ça qu'on fait. C'est quoi le storytelling? C'est avant tout l'audace. Après, il y a d'autres choses. Voilà, en argot, ça veut dire couillu, et mon associé a considéré... En argot, ça veut dire couillu. Couillu. Et mon associé a considéré que c'était une bonne façon d'appeler notre boîte. Ok, bah, heureusement qu'il n'est pas sur scène. On pourrait avoir des signalements. Chaque fois que je veux dire un truc, je le mets sur son dos. Ça peut... Oui, bah, mon associé qui ne peut pas parler de toute façon. Ouais, je voulais juste finir. Oui, je t'en prie, Benjamin, pardon. L'intérêt au-delà du jean ou du baby ou je sais pas quoi. On en revient à ce que disait Clarisse, c'est l'éducation. Un cabinet qui va pas calculer son temps, qui sont eux ont créé une culture. Ils sont une cinquantaine hein, à peu près. Voilà. Hein, mais 45. Créer une culture de ne pas compter son temps et être bienveillant, ça veut dire derrière qu'ils vont prendre plus de temps que prévu pour, je sais pas, expliquer un sujet. Voilà, les mots, les pages, il y a... Alors je vais raisonner avec moi ce que je fais en médecine, en avocat, quand on ne connaît pas les mots, on ne comprend rien. Comme en médecine ou quand des médecins peuvent parler, on peut ne rien comprendre. Mais en fait, quand les personnes se mettent à niveau et expliquent avec des mots simples et prennent le temps, on comprend mieux, donc on devient, nous, des meilleurs, on devient meilleurs en législation, en beaucoup de choses, ce qui nous permet de mieux comprendre, ce qui nous permet de leur prendre moins de temps. Mais à la base, pour faire ce cercle, il fallait prendre du temps pour nous expliquer et qu'on devienne meilleur et qu'ensuite tout le monde gagne du temps. Et c'est ça le changement. Aujourd'hui, on veut un petit peu, si on nous donne les moyens, on comprend, et d'ailleurs, c'est super chiant de loin le métier d'avocat, mais en fait c'est passionnant quand on comprend les petits mots compliqués. Et c'est ce que nous on fait pour les vaccins par exemple, c'est rendre accessible de l'information médicale parfois compliquée de loin. Quand on le rend accessible, on se rend compte que tous nos utilisateurs, tous les gens qui l'utilisent, ils sont contents d'un petit peu comprendre les vaccins. Et pour nous c'est un petit peu ou beaucoup comprendre le métier d'avocat.
C'est un point important dans cet écosystème d'entrepreneuriat. Il faut savoir que quand les startups ont commencé à grandir, à prendre une importance dans la vie économique, elles étaient confrontées souvent aussi à des interlocuteurs qui étaient beaucoup plus puissants. Et elles n'avaient pas forcément les moyens de challenger les documents juridiques qui leur étaient envoyés. Parce que quand c'est comme des CGU, il y a 40 pages. Quand vous recevez un contrat de 40 pages avec plusieurs versions, nous, en tant qu'avocats, bien entendu, si on facture au temps passé, c'est très vite, ça va vite monter très haut. Donc la première démarche à l'époque, c'était de se dire comment déjà on va essayer de leur apprendre à négocier. Donc on a fait un gros travail de coaching, entre guillemets. Et pareil pour les levées de fonds. Ça a été nos premières réflexions de se dire, finalement, on ne pourra pas facturer réellement notre temps, mais si on veut les accompagner, il faut qu'on trouve un moyen de les rendre meilleurs et plus crédibles aussi dans leurs relations avec leurs interlocuteurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Le monde a besoin des startups. C'est un peu moins le sentiment de David contre Goliath et des petits contre les gros. Les startups sont, je dirais, vraiment appréciées, aimées, considérées, leur agilité, leur fonctionnement. Mais on est passé par une période et c'est vraiment... ça vraiment pas été simple pour eux. D'évangélisation un peu difficile. Ils avaient besoin de gagner en crédibilité vis-à-vis de leur interlocuteur et ils n'avaient pas les moyens financiers de le faire à un moment donné. Mm-hmm. Donc c'est là où on s'est intéressé à la question. Alors, bon, il y avait une question dont on parle, on tourne un petit peu autour depuis tout à l'heure, c'est quelle est la promesse de Bold et son engagement. Il y avait une question un peu corollaire, c'est dans le rapport qui était, j'imagine, jadis extrêmement bilatéral entre le cabinet d'avocats et son client, et le fait même que vous soyez aujourd'hui sur cette même scène, le fait que vous vous côtoyez parfois au sein même de Bold, contribue-t-il à créer un vaste esprit d'équipe, voire d'entraide entre toutes ces startups qui peuvent échanger, j'imagine aussi, des bonnes pratiques? Est-ce que vous le diriez comme ça? En tout cas, nous, on a créé Bold avec des entrepreneurs. C'est-à-dire que quand on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le bâtir, on a 4-5 mois avant la création de Bold, on a travaillé avec des entrepreneurs, dont Benjamin d'ailleurs qui était avec nous, mais pas seulement, et on s'est assis autour de la table, on leur a dit voilà, qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est quoi qui ferait la différence? Donc oui, déjà, tu vois, c'est ce que tu exprimes Thierry, il y a eu déjà un échange, ne serait-ce qu'entre nous, c'est-à-dire qu'on se nourrit d'eux pour mieux ensuite les aider, et inversement. Et ensuite, à l'intérieur de nos clients, évidemment, il y a des relations qui se font tous les jours. Tu n'as plus de clients, je dirais, traditionnels, il y en a encore? Oui, il y en a encore. Il y a des gens qui, d'abord, on en avait et il n'était pas question de s'en ils débarrasser. Ils n'ont pas voulu vous lâcher, je comprends bien. Là, on n'abandonne pas nos ceux clients. Qui payent encore à l'heure sont restés. Non. Ah. Par contre, au niveau de notre modèle économique, on s'est complètement radicalisé. Il est OK. Ouais. Il est aligné. Nos clients se sont adaptés à notre nouveau modèle, ça c'est certain. Et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. On a encore des clients qui apprécient la façon dont on fonctionne et qui comprennent que c'est aussi leur intérêt. C'est moins évident parce que quand la start-up, si vous voulez, elle a des étapes qu'on identifie, qu'on maîtrise et on a une proactivité qui est évidente et plus simple à mettre en œuvre pour une clientèle traditionnelle. Bien entendu, c'est tout à fait différent. Mais nous, on a évidemment continué à travailler avec eux. On travaille aussi avec quelques grands comptes et notamment sur toutes leurs start-up studios. Et voilà, pour finir, après, le but, c'est pas de casser du sucre sur les avocats, les cabinets d'avocats historiques, mais... c'est un peu, au final, l'entrepreneuriat, c'est se remettre en question tous les jours, de challenger ce qu'on fait tous les jours. On fait pas mal d'erreurs. En tout cas, faut se remettre en question régulièrement. Je ne sais pas si des avocats, un grand cabinet d'avocats historiques aurait été assez bold pour se reconsidérer, se rechallenger, se dire et de demander à des clients, des clients, dire bah où est-ce qu'on est mauvais, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous énerve, pourquoi ça, c'est pas bon, d'appuyer là où ça fait mal, et de reconnaître des erreurs ou des choses qui ne sont pas bien dans une façon de faire du métier classique et historique et d'essayer de changer les trucs. Et du coup, c'est là où, en fait, on est dans le même milieu, enfin, on se ressemble. Voilà. Alors, amusant, c'est que du coup, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais on a un peu reproduit une forme de similarité dans notre modèle, parce que nos clients, ils peuvent nous contacter 7 jours sur 7 pour nous poser des questions, quelles qu'elles soient, que ce soit mon appli ne marche pas, ou j'ai une question administrative, je ne sais pas si je dois mettre de la TVA, si je dois envoyer
telle déclaration, etc. Et on s'est rendu compte que plus de 50% des contacts étaient pour des questions administratives, donc plus de la moitié. Et c'est exactement la même chose, on ne les facture pas à la réponse, évidemment, il y a un abonnement mensuel. Et c'est aussi un des trucs qui est hyper apprécié, donc peut-être que plus de gens devraient faire ça. Ce qui est important pour nous quand on travaille avec des clients, c'est de leur expliquer qu'on prend un risque, qu'on a mis en place ce nouveau modèle, qu'on réfléchit à sa pertinence tous les jours. Ça fait que 18 mois, donc c'est quand même assez récent. Et on leur dit, on vous aime, on le fait pour vous. Essayez en retour de nous apporter un maximum de feedback pour nous aider à nous améliorer encore. Et je pense que ce qui fonctionne, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que Nicolas et Benjamin sont là et participent de notre croissance, c'est qu'ils nous le disent. Ils nous disent franchement, ils disent là ça va pas, là c'est trop long, là vous mettez pas assez d'enjeux, là vous en mettez trop. Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement ce qui est important pour nous, c'est de mettre le droit à la bonne place dans l'environnement business de nos clients. C'est-à-dire qu'on n'ait pas trop de droits quand il n'y en a pas besoin, et qu'on en mette assez quand il y en a besoin. Mmh. Et finalement, c'est ça qui nous aide au quotidien, c'est de dire, ben voilà, ils nous disent quand il y a de l'enjeu, et nous, on essaie d'adapter. Et on n'a pas peur, quand on n'est pas censé avoir peur, parce que c'est eux les chefs d'entreprise, et ce n'est pas à nous d'avoir peur à leur place. Et on est là quand il faut effectivement être là, et qu'il faut être là le soir, la nuit, quand il faut négocier des grosses levées, on est là. Voilà. Alors, dernière question, puisqu'il nous reste très peu de temps. Vous êtes de jeunes entreprises, aussi bien le cabinet d'avocats que vous, en tant que start-up plus traditionnelle. Je sais que vous n'aimez pas tellement le terme start-up, hein, donc je l'utilise peut-être un peu à tort et à travers, mais précisément quand la start aura bien upé, dans peut-être allez, 5 ans, quand vous serez maintenant un peu plus établi, et les uns et les autres, comment vous voyez l'avenir de votre collaboration ? Vous irez vers des cabinets du 8e arrondissement quand vous serez blindé si tout se passe bien, non. En fait, ça dépend. On est dans un cas particulier où on est quand même dans un domaine très technique avec des domaines du droit très techniques. Donc si demain, on va chercher une licence d'établissement de crédit européenne, il va falloir qu'on travaille avec des gens dont c'est la spécialité absolue et qui sont vraiment très spécialisés là-dedans. Et pareil sur d'autres sujets, dans le domaine de l'assurance, etc. Mais ça, c'est parce qu'on est une fintech. Et je pense que sur tout ce qui concerne le droit général des sociétés et le droit de l'entreprise, on continuera à travailler avec Bold. Ouais. Vous entendez, hein. Nous, pareil, plus on grossira, plus on ira sur des complexités réglementaires sur le médical, devenir dispositif médical, etc., qui demande des particuliers, des skills vraiment très spécifiques, mais sur toute la vie de la boîte en elle-même et de sa globalité, et en dehors des domaines hyper spécifiques, on va pas se lâcher. Et voilà, on n'aime pas vraiment le mot de start-up parce qu'on n'est pas là pour faire un coup, pour être là sur le court terme, ou pour être... faire des choses qui n'ont pas de sens. L'utilité sociale. On est là pour des années et des années, avoir un impact. Donc ça va durer longtemps et donc on aura besoin, heureusement ou malheureusement, d'avocats tout le temps. Mot de la fin pour toi, Clarisse. Non, je t'en prie. Paul n'a pas vocation à manger tout le marché du droit. Il y a vraiment de la place pour beaucoup de gens et ils l'ont exprimé. Nous, on est un cabinet d'avocats d'affaires. Au départ, c'est-à-dire qu'on est capable d'intervenir sur tout le domaine droit des affaires, mais il y a de la place pour tout un tas d'autres confrères qui vont être beaucoup plus spécialisés, comme ils l'ont exprimé, fintech, medtech, sur des points extrêmement spécifiques sur lesquels ils vont intervenir. Et de la même façon, Bold a fait un choix très radical aussi à sa constitution, qui est de ne pas intervenir pour les fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'on intervient exclusivement côté entrepreneur, et on a des relations absolument idylliques avec nos confrères qui interviennent pour les fonds. Donc, notre objectif, c'est pas d'être le seul cabinet d'avocats à intervenir, et je pense qu'il y a vraiment de la place pour chacun d'entre nous, mais on apporte une réponse aujourd'hui sur un marché qui véritablement a besoin d'une façon différente d'entreprendre le droit. Génial. Eh bien, écoutez, merci vraiment à tous les trois. Je pourrais les remercier d'être venus témoigner. J'espère, Thibaut, que tu auras été satisfait des réponses qui auraient été fournies. Merci beaucoup. Il est temps de passer à notre... On se retrouve tout à l'heure en backstage.
rassurez-vous. Il est temps de passer à notre séquence suivante, à nouveau une certaine manière de traiter le concept d'Ignition. On va